Salut tout le monde, c'est Bad Noise et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième Gunpla Builder's Time. Aujourd'hui on va build le Sazabi en version HG. Apparemment c'est un gros bestiau, donc il va faire la même taille normalement qu'un Master Grade. Et donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors comme vous avez pu le voir, déjà rien que le torse il est assez consistant par rapport à un modèle 1 sur 144. Petite difficulté quand même avec le casque au niveau des cornes etc. pour pouvoir le monter, mais pour le moment aucun autre problème à l'horizon. On continue. Et donc voici pour finir le bouclier qui est quand même magnifique, hein, il est super grand. Par contre, petit problème avec le stickers pour le placer correctement, dommage que ne ce soit pas des water decals. Et donc on continue.
Alors voilà, on vient de finir le waist. Hein, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Donc c'est la partie inférieure du Gundam. J'ai jamais vu un waist aussi grand que ça. Il a l'air énorme. Et je voulais monter d'abord pour qu'on puisse avoir déjà une vue d'ensemble du Sazabi. Voilà à peu près la partie principale à quoi il va ressembler. Donc on va faire les bras et les jambes et ce sera à peu près terminé. C'est parti! Et voilà les gars, le Sazabi est enfin monté. Alors j'ai fait un petit stand personnalisé, vite fait, bien fait, avec les restes des grappes pour pouvoir le mettre un peu en hauteur. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment gigantesque. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal au niveau des jambes et au niveau des bras pour le monter et au niveau du backpack. Attention, je vous le montre ici derrière, au niveau des lanceurs de fusées. Mais ou sinon, je le trouve vraiment très très chouette, surtout pour un high grade. Il est vraiment très très gros. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. On se souhaite une bonne journée, une bonne soirée et ciao!